Bonjour à tous, bienvenue. Alors là aujourd'hui on est en Corrèze, d'habitude on est dans des paysages urbains, ici c'est bucolique, on est au Puy-Pinson et on va faire un Getting Shit Done un peu spécial avec Alain Boussoutreau qui va vous expliquer son parcours et en particulier une aventure qu'il a connue il y a longtemps en termes d'hydroélectricité en Corrèze. Donc voilà, bienvenue à tous et maintenant on va parler à Alain. Alors Alain, est-ce que tu pourrais te présenter, qui es-tu? Alors Alain Boussoutreau, en fait je suis originaire de la Corrèze, de la commune même où on est en train de filmer d'ailleurs, à savoir Saint-Clément. Et puis voilà, je suis né en 1952, j'ai un parcours assez banal, dans une famille d'agriculteurs de Saint-Clément. École primaire, collège, lycée, école normale de Versailles, quelques années d'instit, puis quelques années de prof, puis voilà. Puis donc, au milieu de tout ça, une passion pour les moulins, les sources, les rivières. Voilà, donc de retour en Corrèze, si je peux dire, j'ai passé à l'acte en montant une première petite micro-centrale. D'accord. On en parlera plus tard. Voilà. Alors, on y reviendra parce que, est-ce que tu peux nous parler, c'était comment à l'école? Tu étais un bon élève, un mauvais élève? T'en as un bon souvenir? J'en ai un très bon souvenir. Hein. Bah, c'était l'école de la Troisième République des années 58-60. Quoi. À l'époque, c'était la grande liberté pour les enfants. Et l'école primaire, ça a été, même si ça m'a beaucoup plu d'entrée de jeu, c'était quand même une belle privation de liberté. Quoi, voilà. Donc ça m'a valu pas mal de punitions. Bon voilà, je rentrais pas facilement dans le moule, mais j'y suis rentré. Tu y es rentré, voilà. Et donc comme tu le disais, tu as fait des études supérieures, tu as quitté la Corrèze. Voilà, donc après avoir fait un collège, un lycée, une terminale D, j'ai décidé de passer le concours d'école normale à Versailles, puis j'ai été instituteur dans les Yvelines quelques années. D'accord. Bon après j'ai eu des velléités de devenir prof d'art plastique. Donc j'ai pris une disponibilité, je me suis lancé dans une fac d'art plastique à Paris, jusqu'à la maîtrise. Cool. Alors, il me semble que tu as fait des études dans l'hydroélectricité aussi, que tu as étudié ça. Alors, pas du tout. Non. Pas du tout. Donc, au moment de choisir un sujet de maîtrise en fac d'art plastique, j'avais pas trop envie de choisir un sujet art plastique pur. J'ai demandé à l'époque s'il était possible de prendre un sujet d'ethnologie régionale, voire. Et là, j'ai choisi les moulins à eau de la Corrèze. D'accord, c'est comme ça. Voilà, intitulé complet, moulins à eau et meuniers de la Corrèze, histoire, technologie, vie et tradition. Excellent. Et donc, en faisant cette maîtrise, qui n'était pas une compilation livresque, quoi, même si j'ai fréquenté un peu les archives et quelques bibliothèques, j'ai aussi rencontré beaucoup de vieux meuniers, il y en avait encore beaucoup à l'époque, qui m'ont parlé de leur métier, voilà. Et donc, à l'époque, j'ai connu quelques meuniers qui produisaient de l'électricité, soit pour eux, mais quelques-uns qui en vendaient. Et ça a été le début d'un parcours micro-centrale hydroélectrique. Mais je me suis d'abord passionné, vraiment passionné, pour les moulins. D'accord. Les systèmes de mouture, l'histoire. Et pourquoi les moulins? Quelle mouche t'a piqué? Là, je crois que c'est très très ancien parce que tout petit, j'ai commencé, comme d'autres gamins d'ailleurs, à faire des petits moulinets sur les rigoles avec deux bouts de bois en croix, ouais, et à les faire tourner. On en a filmé un tout à l'heure avec Loulou d'accord. À la braderie là, vers de Lonzac. Et aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été passionné par les sources, les rigoles, les ruisseaux, enfin voilà, et les moulins. Et donc tu as beaucoup joué dans l'eau, j'imagine. Voilà. Ouais, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier moulin? Parce que du coup, tu t'es intéressé au sujet, mais tu as fait plus que t'intéresser au sujet, t'es passé à l'action. Bon alors, avant, ouais, on va en parler tout à l'heure, mais il faut que je précise que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'eau, aux sources, aux rigoles et aux moulins, ici en Corrèze, en tout cas, les eaux étaient très très propres. Quand on jouait avec les copains, si on avait soif, on s'approchait d'une rigole, on buvait dedans. Toute l'eau de surface était potable ici en Corrèze. Peut-être pas l'eau qui est crémée et qui recevait les égouts des villes. Mais bon, ici à la campagne, tout était potable et très propre. Je reconnais encore, je cherche encore les petites crevettes d'eau douce et les porte-bois pour voir si un endroit est pollué ou pas. Ouais. Ben l'autre jour, quand on est allé avec Loulou dans la forêt de Blanchefort pour chercher quelques endroits sympas,
Ben, on n'a pas trouvé de porte-bois ni de petites crevettes d'eau douce. Bon. Ouais. Malgré que je pense que c'est encore intact. Oui, parce que là-bas, il n'y a pas de traitement des cultures ou c'est que des prairies. Non, c'est 400 hectares de bois qui appartiennent à des particuliers qui ne sont pas exploités plus que ça. Quoi. Donc, il n'y a pas de culture autour. Et pour répondre à ta question, mon premier moulin, ce n'était pas un moulin. D'accord. C'était une maison. Quand je suis rentré en Corrèze, dans les années, je crois que c'était en 82 ou 81, j'ai cherché une maison à acheter. Et donc j'ai trouvé à un moment une petite maison dans une clairière sur un hectare de terrain. Mais en bordure de ce terrain, enfin, je bordais un ruisseau qui s'appelle le Brezou. Et ma première préoccupation, avant même d'acheter le lieu, ça a été de trouver une lunette géomètre pour aller mesurer le dénivelé entre l'entrée, enfin, le point géographique, l'altitude du point d'entrée sur la parcelle et l'altitude du point de sortie. Bon, il y avait 1,50 m de déclivité, puis je me suis dit très vite qu'avec un petit barrage de 1 mètre d'eau, j'allais obtenir une chute de 2,50 m. Et tout ça, après de longues démarches, très très longues démarches, j'étais le seul Corrézien du XXe siècle a demandé officiellement l'autorisation de créer un barrage et une microcentrale sur un ruisseau, à un endroit où il n'y avait pas. Ce qui maintenant est devenu complètement impossible. À l'époque, c'était déjà pas facile. Ouais, donc le dossier était très... Ouais, le dossier portait sur une petite microcentrale de 8 kW. Et donc ça a été aussi compliqué pour une grosse de 1000, quoi. Ouais. Que pour une grosse de 1000. 8 kW, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu fais avec 8 kW? Bah, à l'époque, mon but, c'était surtout de me chauffer. D'accord. Donc, d'ailleurs, électrique, voilà. D'ailleurs, je disais aux gens de ma famille, enfin les gens du coin, quoi, ben, je fais mon bois pour toute ma vie. Quoi. Voilà. Donc j'ai fait mon bois pour toute ma vie, sauf qu'après j'ai été amené à revendre l'endroit. Mais bon, voilà. Donc, et là, c'était ta première expérience. Oui, donc, mais là, c'est là que j'étais tout à fait autodidacte quand je me suis renseigné sur les différents types de turbines, parce qu'il m'a fallu trouver une turbine. Quoi. Il a fallu créer le site, créer le barrage, créer le canal, créer le bâtiment, y installer une turbine, une génératrice et tout et tout. Donc là, c'était formation perso quoi, à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas encore Internet. Ouais, il n'y avait pas YouTube pour apprendre comment faire. Et la turbine, du coup, tu ne l'as pas fabriquée, tu l'as récupérée. Oui, oui. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Donc un meunier de mes connaissances m'a dit, je connais un endroit où il y a une turbine neuve. Je pense qu'elle n'a jamais été installée, il faudra que tu ailles voir. Et effectivement, c'était une turbine qui n'avait jamais été installée par un meunier qui l'avait commandée. Elle a été fabriquée à Toulouse. C'était une turbine Kaplan, pour ceux qui connaissent. Une très belle petite machine à 4 balles, pratiquement toute en bronze, elle est lisse, avec un renvoi d'angle, enfin très très bien, pas variable, vanage pour ceux qui connaissent. Et donc cette turbine, elle était là depuis 20 ans dans une grange, soigneusement emballée dans des chiffons gras pour éviter l'oxydation. Et donc voilà, je l'ai acheté à ce monsieur qui était à la retraite, qui n'avait jamais installé cette turbine pour la simple raison que cette turbine, elle était aussi, pour les gens qui vont reconnaître l'endroit, tout à fait au début du lac du Cos, à côté de Brive. Et entre le moment où il avait commandé cette turbine et où elle était fabriquée par la SHM à Toulouse, la communauté de communes, c'était peut-être pas ça à l'époque, enfin bon, peut-être la ville de Brive avait préempté pour acheter les terrains pour faire le lac du Cos, qui existe maintenant. Donc, le moulin s'est retrouvé pas noyé, puisqu'il existe encore, mais en tant qu'auberge. Quoi. Mais il n'y avait plus de chute, du coup. Donc, je pense que la turbine lui a été payée à l'époque, mais elle est restée dans la grange. Quoi. Et je l'ai acheté, moi, en 80. Je pense que j'ai acheté en 82 ou 81. Quoi. D'accord, c'est en 82 que tu commences. Et tu te souviens de combien ça a coûté, cette turbine? C'était un bon prix? Oui, il était. Si tu avais dû l'acheter neuve. Il a accepté de me la vendre, après qu'il y a eu l'assurance que je n'étais pas un marchand, que je ne l'achetais pas pour la revendre un peu plus cher. Et, oui. Et il m'avait dit, vous me la ferez voir dès qu'elle sera installée. Bon, il n'a pas pu la voir puisqu'il est mort d'un cancer dans l'espace. Mais il me l'avait vendu une bouchée de pain. Je l'avais payé 8000 francs à l'époque. D'accord. 8000 francs, ça fait. Ça fait pas beaucoup d'euros. D'accord. Sachant que déjà à l'époque, c'est une turbine neuve comme ça, avec son rombat d'angle, avec tous les petits accessoires qu'il y avait à côté, ça coûtait à l'époque, je sais pas, je dirais 100 000 francs facile. Ah ouais. D'accord, c'était un prix d'amis quoi.
Alors, tu en as construit ou transformé d'autres après, tu as été un céréal moulineur. Alors j'ai gardé cette centrale longtemps, je me suis chauffé avec, dans la mesure où il y avait de l'eau dans le ruisseau. Mais il y a, à l'époque, c'était, on ne parlait pas encore de changement climatique, et hormis les périodes estivales où le ruisseau pouvait avoir des estiages assez sévères, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance pour moi, puisque mon but c'était de me chauffer. Donc dans la mesure... Pas ton éclairage par contre. Si, mais bon, c'était pas... Ça représente rien, quoi. Fabriquer quelques watts pour s'éclairer à l'époque, et donc descendre voir la turbine relativement souvent, éventuellement enlever des feuilles, etc. C'était pas la peine de se casser la tête pour ça, quoi. Donc du moment que ça tournait l'hiver, c'était très bien. Ça tournait vraiment, c'était très rustique. Ouais. Il y avait une turbine, un alternateur, qui fournissait toujours la puissance maxi qu'il pouvait fournir. Les radiateurs étaient allumés dans la maison sans thermostat. Donc quand il faisait trop chaud, on ouvrait les fenêtres. C'était la régulation. Et oui, parce que du coup, tu n'avais aucun impact environnemental. Tu dégageais aucun carbone avec ton chauffage. Aucun. Okay. Et alors, à l'époque, est-ce que tu avais conscience de faire quelque chose d'écologique ? Bien sûr, moi j'ai... Bon, la plupart des gens ne s'en rappellent pas ou ne sont pas au courant. En fait, avant même de rentrer en Corrèze, j'étais à l'époque... j'étais un membre actif des Amis de la Terre, Paris. D'accord. Et on avait des réunions régulières avec Brice Lalonde, qui lui a fait son chemin maintenant. Ouais. Bon, et Brice Lalonde, on se retrouvait avenue de Choisy au siège des Amis de la Terre. Brice Lalonde arrivait avec son vélo, moi j'arrivais en métro, puis bon j'étais très très branché, à l'époque l'écologie c'était vraiment pas, ils s'en parlaient très peu. Et non, ouais. Donc notre préoccupation à l'époque c'était les baleines, donc notre canard s'appelait l'écho de le journal de la baleine je crois, ouais. Ou la baleine tout court, mais bon de retour, même avant de rentrer en Corrèze, j'avais créé en Corrèze un groupe des Amis de la Terre, c'était le premier groupe écolo de la Corrèze, que c'était en 75. Voilà. 75, voilà. Oui, donc du coup, vous étiez quelques barbus hirsutes. Et tout le monde se foutait de vous, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense que j'avais la conscience écolo, je l'ai toujours eu. Je l'ai eu très très tôt. Alors justement, là, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais refaire pareil ? Est-ce que c'est encore jouable de se dire, bon ben. Je vais devenir autonome en électricité pour ma maison. Toi, tu disais visiblement que tu ne pourrais pas recommencer aujourd'hui ce que tu avais fait. Oui, donc la réponse est double. Celui qui est propriétaire actuellement d'un moulin avec un droit d'eau en bonne et due forme peut envisager de produire l'électricité dans son moulin, quoi. D'accord. Avec une installation... Si l'installation est existante, je vais dire que c'est relativement facile. Ouais. Si l'installation est à créer, c'est quand même difficile, quoi. Moi, je suis arrivé là-dedans à une époque où il y avait beaucoup de vieux moulins, beaucoup de vieilles turbines à acheter. J'ai eu la chance de tomber sur une turbine neuve, mais vieille. Mais il y en a encore beaucoup qui se pourrissent dans les moulins, mais il y en a quand même de moins en moins, quoi. Et puis le problème, c'est pas tellement de trouver le matériel maintenant, c'est pour continuer mon propos, celui qui n'a pas de moulin mais qui est riverain d'un ruisseau, c'est un combat impossible pratiquement, quoi. Déposer un dossier puis essayer d'utiliser la force hydraulique pour quoi que ce soit, d'ailleurs pour faire de l'électricité ou autre chose, c'est pratiquement devenu impossible, quoi. C'est encore possible dans un site existant, qui est en règle, il faut bien préciser. Ouais. C'est-à-dire avec un arrêté préfectoral qui précise... quelle quantité d'eau le moulin a le droit de dériver, etc. etc. Et alors, du coup, après ce premier moulin, tu as enchaîné sur des choses à plus grande échelle, je crois. Hein. Voilà. Donc après, j'ai enchaîné sur... Bon, voyant que certaines personnes avaient des contrats avec EDF, j'ai appris assez vite j'ai étudié tout ça de beaucoup plus près. Dans quelles conditions on pourrait avoir un contrat avec EDF pour vendre de l'électricité ? EDF est depuis 1945 dans l'obligation d'acheter la production des producteurs privés, ouais. Mais bon, il y avait une limite inférieure, je me rappelle plus trop, je crois que c'était 9 kW. En dessous de 9 kW, ils achetaient pas, quoi. Donc
C'est peut-être toujours le cas d'ailleurs, en tout cas en hydroélectricité. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de me lancer là-dedans, ayant une certaine habitude des turbines, des génératrices et tout. Donc j'ai eu l'opportunité aussi d'acheter un vieux moulin sur la Vienne, à côté de Limoges, à l'est de Limoges, qui était un très 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 vieux moulin, une des plus vieilles tréfileries de France, ouais. Qui fabriquait des clous notamment. On a trouvé des quantités énormes de clous en faisant les travaux. Et donc, dans ce moulin, c'était un choix. C'était pas un choix d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à vendre. La rivière, c'était la Vienne. Ce qui m'avait plu, c'était son débit. Elle avait un très très gros débit. En moyenne, 20 mètres cubes par seconde. En moyenne sur l'année, quoi. Ce qui pouvait monter à 200 mètres cubes en hiver et tomber à 3 en été, quoi. Mais le problème que j'avais pas trop perçu au début, c'est que le barrage était très très bas. Le barrage faisait 1 mètre d'eau. Ouais. Et il faisait presque 200 mètres de long pour traverser la Vienne. Donc il a fallu, bon, j'ai acheté le site, restaurer le barrage, qui était couvert de végétation. Il a fallu rebâtir un petit peu parce qu'il était abîmé par endroits. Après, il a fallu s'intéresser à l'emplacement des turbines. C'est un site qui avait été abandonné en 1917. Donc voilà, il avait abandonné parce qu'ils avaient, les propriétaires de l'époque avaient trouvé un site plus intéressant. Et donc tout était en état. Il y avait des vieux murs, du vieux béton, des futurs vieux emplacements de turbines. Donc j'ai restauré un de ces emplacements. Et là, j'ai fait pratiquement tout le génie civil moi-même. On pourra peut-être joindre des photos à ce reportage. Ouais. Et donc, le génie civil, après, il s'est avéré que pour acheter une turbine capable d'absorber 10 mètres cubes par seconde sous 1 mètre de chute, c'était une machine énorme. Ah ouais. À savoir, c'était une machine de plus de 2 mètres de diamètre et qui coûtait une fortune chez les fabricants. Donc j'ai décidé de m'y lancer moi-même. Et tu l'as fabriqué? Allez, c'est beaucoup dire quand même, mais bon, à l'époque il existait encore des fonderies. Quoi. Donc j'ai trouvé une fonderie d'alu à Mussidan. Ce monsieur qui fondait des pales pour certains fabricants de turbines a accepté de me fondre des pales de Kaplan. Voilà, et donc peu à peu j'ai trouvé aussi sur Brive, qui est une ville qui fait partie de la Mécanique Vallée. On pourra parler de ce que c'est la Mécanique Vallée si vous voulez. Mais bon, c'est toutes les villes qui ont beaucoup d'entreprises des mécaniques générales. Brive en fait partie, et à l'époque il y avait beaucoup des artisans qui étaient capables de faire n'importe quelle pièce, tournage, fraisage, ajustage. Et donc ces gens-là, enfin, notamment un, m'a fabriqué l'arbre de la turbine, creux, avec les commandes d'incidence, de variation du pas, quoi. Voilà, donc je me suis fait fabriquer quand même, même si c'est moi qui fais les plans, une turbine pour une somme assez dérisoire. Quoi. Disons 15 fois moins que le prix d'une turbine dans le commerce. Voilà. Après, il restait la transmission et la génératrice. La transmission, j'ai fait fabriquer une poulie de 3 mètres de diamètre à Brive par une boîte spécialisée, wow. En mécano-soudure. Ça se fait, on trouvait encore ça à l'époque. Et ils ont relevé le défi. Avec très peu de fautours, très peu de voiles, elle était parfaite. La génératrice, à l'époque, la papeterie de Condal-Lardin, qui existe encore, qui est une très grosse boîte, faisait sa pâte à papier, mais était en train d'arrêter, puisqu'ils achetaient la pâte à papier au Canada en poudre. Il a réhydraté, arrivé en Dordogne. Donc ils vendaient des très gros moteurs, qui étaient aptes à faire des génératrices pour moi. Donc je suis allé chercher un très gros moteur au Lardin, avec le camion d'un copain. Ça pesait combien ça? Une tonne 7. Ah ouais. 110 kW à 750 tours minute, ça fait un moteur énorme. Donc j'avais vu un peu grand. Le camion, une fois que j'étais là-bas, une fois qu'elle était sur le camion, j'ai dit je rentre quand même. En fait, j'avais pas le permis poids lourd ni rien à l'époque. Pas le permis poids lourd. Enfin voilà. L'aventure. Donc j'avais tout ce qu'il me fallait, la turbine était prête, il a fallu l'installer, ça était un peu coton. Mais ça s'est fait. Il a fallu acheter une courroie, qui a coûté une fortune par contre. Courroie sans fin, très très. Je crois qu'à l'époque, elle a coûté l'équivalent de plus de 2000 euros. Quoi. Ah ouais. La courroie. Et voilà. La génératrice m'avait coûté 1500 euros, au lieu de 7 ou 8000. Donc c'était, voilà.
dans toutes choses qui sont impossibles maintenant, parce que je pense que EDF existe, en fait, EDF ou l'administration exige du matériel neuf. Ouais. À l'époque, c'est encore comme ça, puisque en fait, EDF, quand on fait un contrat avec EDF, ils achètent du courant électrique à une certaine tension, à une certaine fréquence très précise, 50 Hz, et ils l'achètent au sommet d'un poteau, en point de livraison, ce qui s'appelle le point de livraison. Voilà. Et tout ce qui est en amont de ce point de livraison, le bout de ligne qui va de leur poteau à la centrale, et toutes les machines à la centrale, turbines, génératrices, régulateurs, tout ce qu'on peut imaginer, relais de sécurité, parce qu'il faut que la centrale s'arrête dès qu'il y a une coupure EDF, et elle s'arrête même s'il y a une micro-coupure qui dure un millième de seconde, et elle redémarre. Donc il y a des sécurités de découplage. Là, à l'époque, c'était ce qui m'avait coûté le plus cher. Qu'il n'y avait qu'un fabricant en France, on n'avait pas le choix. C'était Alstom à l'époque. Trois relais coûtaient l'équivalent de, on va dire, 4000 euros. Voilà. Fallait y passer. Donc voilà, bon, j'ai fait cette centrale que j'ai revendue par la suite parce qu'elle était loin de chez moi. Ouais. Mais tu avais réussi à gagner de l'argent avec ? Oui, mais... elle était à la fois... Elle était trop petite pour me permettre de payer un surveillant. Ouais. Et trop loin de chez moi. Donc, dès qu'il y avait le moindre petit souci, un voisin me disait, tiens, la centrale s'est arrêtée. Il m'appelait même. Puisqu'à l'époque, ouais, il n'y avait pas les modems, il n'y avait pas les téléalarmes et tout. Ouais. Et donc, ben, je me payais de 200 km aller-retour pour voir ce qui se passait. Voir remonter un relais, quoi. Ouais. Remonter un disjoncteur, je veux dire. Ouais. Et puis bon, c'était... Ça a correspondu avec le fait que j'ai trouvé un autre site qui était à vendre et que je ne voulais pas garder les deux. Ouais. Et je pouvais pas, donc financièrement, je ne pouvais pas garder les deux. Donc j'ai remis ça en vente et j'ai entrepris de rénover une ancienne usine qui était sur la Corrèze, celle-là, qui avait des turbines, mais en tant que... une très vieille turbine quand même. Mais il était possible de faire une centrale hydroélectrique. Il y avait une chute assez conséquente, un débit correct, voilà. Après m'être fait des frayeurs parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de règlement d'eau, que je ne pourrais pas m'en servir. On m'a dit, mais monsieur, nous on n'a rien. On a un vieux règlement d'eau de 25 kW, mais avec ça, je n'allais pas faire fortune. Donc j'ai passé plusieurs jours aux archives de Tulle, de la Corrèze, à fouiner des brouettes d'archives patriées. Et j'ai fini par trouver une liste des usines qui produisaient l'électricité sur la rivière Corrèze en 1917, pendant la guerre de 14 encore. Et là, il y avait... Ah ouais, c'est la guerre de 14 qui avait amené les gens à faire des barrages hydroélectriques. Non, pas du tout. Non, ce barrage, on va y revenir tout à l'heure. Mais il y avait eu, à la demande de l'armée, un inventaire des usines qui produisaient l'électricité sur la rivière Corrèze. Voilà. Et là, il y avait la puissance mentionnée, 136 chevaux. Donc voilà, je suis reparti de cette base pour demander un nouvel arrêté préfectoral au préfet de la Corrèze que j'ai obtenu, quoi. Et ça, c'était en 94. 94, ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Et donc, ça a été pour toi quelque chose de réussi, je m'en suis servi pendant plus de 15 ans. Ah ouais. Voilà. Donc, attends, 94 plus 15, ça fait 2009. Oui. Ah oui, donc... Je l'ai vendu, en fin 2008 pour cause de fracture de jambe, quoi, raison de santé, quoi. D'accord. Mais j'y suis resté jusqu'en 2012. D'accord. En fait, j'avais un appart au-dessus, etc. D'accord. Voilà. Et c'était ton activité principale ? Non, j'étais en même temps, j'étais toujours enseignant en même temps. D'accord, toujours enseignant en même temps. D'accord, super. Alors, si tu rencontrais quelqu'un qui a envie de se lancer dans ses aventures, qui a un moulin par exemple, et qui. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui. S'y connaît beaucoup moins que toi et qui a envie de se lancer dans l'aventure, puisque aujourd'hui ça fait complètement sens de vouloir produire de l'électricité hydroélectrique chez soi si on a la chance d'être sur un site. Il me semble que du coup la hauteur du barrage c'est vachement important, non? Oui. Ça se résume en une équation, c'est que la puissance c'est le poids de l'eau multiplié par la hauteur. Ouais. Donc ça c'est soit on a beaucoup de poids d'eau. Et pas beaucoup de hauteur, et ça reviendra au même si on a par exemple, je sais pas, une tonne d'eau
sur 1 mètre, c'est la même chose que 10 litres sur 100 mètres. D'accord. Voilà. Ouais. Sachant que quand il faut filtrer une tonne d'eau chaque seconde, c'est beaucoup plus compliqué que de filtrer 10 litres chaque seconde. Et les grilles ne sont pas les mêmes. Ouais, voilà. Ouais. Oui, parce qu'évidemment, il faut filtrer, parce que sinon, les corps, ça ne tient pas le coup. Ouais. Les corps étrangers, les feuilles finissent par boucher l'entrée de l'eau dans la turbine. D'accord. Et tu vois d'autres conseils de ton expérience là que tu pourrais partager du coup, savoir aller faire un tour dans les archives, c'est un sacré truc, ça, quand même. Oui, mais bon, ça, c'est... Comment dire c'est un préalable. C'est un préalable pour les gens qui ont, disons, un vieux moulin et qui sont pas sûrs, qui n'ont pas les papiers qui attestent de... déjà de son ancienneté, enfin de son âge, plutôt... et de l'existence ou pas d'un règlement d'eau. S'il n'y a pas de règlement d'eau, c'est très très compliqué. Quoi. Ouais. Si le barrage est en mauvais état, c'est très compliqué de prouver qu'au départ, la crête du barrage était pile poil à telle altitude. Ah, oui. Parce qu'ils vont dire, oui monsieur, mais attendez, qu'est-ce qui nous prouve que... Ouais. Ouais, parce que tout est négocié, donc chaque détail technique... Il n'est pas négocié, il faut le prouver. Ouais, il faut le prouver. Ouais. Il négocie même pas. Il n'y a rien qui se négocie, là. Il faut attester. D'accord. Et donc, le plus simple pour quelqu'un qui veut faire ça, c'est d'aller voir un particulier qui a fait ce genre d'installation. Ouais. Et récemment, parce que bon, moi, ça fait déjà un certain nombre d'années, bon, en tant que particulier, ça fait longtemps, la petite centrale de quelques kilowatts, c'était donc en 82. Et la fin de l'aventure en tant que SARL qui commercialisait du courant, parce que bon, certains qui vont voir la vidéo vont se demander mais pourquoi un fonctionnaire se permettait d'être commerçant en même temps, ce qui est strictement interdit. Ah oui. Donc voilà, j'avais créé une SARL, quoi. On avait créé une SARL. Un enseignant a tout à fait le droit d'être actionnaire d'une société. Hein? Tout le monde peut acheter des actions chez Peugeot, chez Renault ou d'autres choses, même s'il est enseignant. Donc, voilà. Super. Ouais, à titre individuel, voilà, il faut pas que ce soit en contradiction avec l'emploi de la personne, avec son statut perso. Tu ne penses pas que ce soit possible de vivre uniquement de ça? Ah si. La personne qui s'achète une centrale hydroélectrique un peu conséquente peut très bien en vivre. Ouais. Mais ce qui était le cas il y a 20-30 ans, la plupart des collègues que j'ai connus, c'était des gens, d'abord c'était des autodidactes, qui n'étaient pas forcément fils de meunier ou ingénieur en hydraulique, et qui se sont lancés parce qu'ils avaient des compétences en mécanique, en maçonnerie, en tout ce qu'on... Et la plupart du temps, c'est des gens qui, par le système d'auto-formation, quoi, sont devenus très compétents, même très pointus, dans tous les domaines, électricité, génie civil, mécanique, et la plupart sont des gens qui se sont débrouillés tout seuls, quoi, en fait. Ouais, c'est une belle aventure hein, de faire ça. Ça devient très compliqué tout ça. Parce que l'électronique de gestion, ça n'existait pas moi quand j'ai commencé. L'électronique qui gère une centrale hydroélectrique, maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Quoi. Et oui, ça c'était plus... Quand j'ai commencé, au niveau d'EDF, c'était bon... nous, ce qu'on veut, c'est du courant, bon, en l'occurrence, c'était du 20 000 volts. Sur tel support, ce qu'ils appellent un support, c'est un poteau, on vous achète du 20 000 volts là, sur ce support, à la fréquence de 50 Hz, le reste, on s'en fiche. Ouais. Ici, il n'y avait qu'une contrainte, bon, ceux qui sont intéressés se reconnaîtront là-dedans, il ne fallait pas consommer de réactifs. Bon, c'est quoi le réactif? Quand on produit du courant, qu'on est couplé au réseau, avec une génératrice asynchrone, on consomme du réactif. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Pour compenser ça, il fallait installer des condensateurs. Bon, on mettait une batterie de condensateurs, et c'était tout. Il n'y avait pas d'exigence particulière. Maintenant, en fonction de la quantité d'électricité produite, parce que même bon, au fil de l'année, la turbine ne va pas forcément tourner à plein régime. Quoi. Ouais. Une centrale de 1000 kW, par exemple, peut tourner quand les eaux sont basses à 200, ou à 300 ou à 400, en fonction de cette production, la génératrice va consommer du réactif ou pas. Et maintenant, la fourchette de compensation est très très étroite. Donc il faut gérer la quantité de condensateurs qui vont s'enclencher en fonction de la puissance produite. Et là, c'est des automates électroniques assez compliqués. Et ça augmente du coup le coût de ça augmente le coût, voilà.
Mais en même temps, bon, on trouve ce genre de matériel maintenant et ça s'est simplifié d'une certaine façon, quoi. Moi, j'ai connu l'époque où il fallait commuter des condensateurs à la main, quoi. Ouais. Tiens, là, en ce moment, on tourne petit, donc il faut mettre plus de condensateurs. Parce que plus on tourne proche de la puissance de la génératrice, moi, j'avais une génératrice de 100 kg. Si je tournais qu'à 10 kg, il fallait mettre beaucoup de condensateurs. Si on tourne à 100 kg, il en faut très peu. Ah ouais, donc il y a... Puis je sais que maintenant, les microcentrales ont bénéficié des techniques qui se sont développées dans les éoliennes. C'est-à-dire que les génératrices produisent plus du courant du 400 volts à pile poil la bonne fréquence. On produit, on produit n'importe quoi. Ça peut être du 83 volts à une fréquence n'importe laquelle. Ça peut être 20 Hz, 110, 140 Hz. Avec l'électronique moderne, on redresse ce courant, on en fait du courant continu. Et avec ce qu'on appelle, ce que tout le monde connaît maintenant, les onduleurs, on retransforme ce courant continu en 400 volts, 50 périodes, pile poil. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'électronique de puissance qui n'existait pas quand moi j'étais dans le métier, quoi. D'accord, super. Alors justement, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quoi ton activité quotidienne? Bah maintenant, bon, je m'intéresse beaucoup à la nature, pour pas changer, mais vraiment beaucoup. Je jardine un peu malgré mes problèmes de dos et je participe très activement à une ressourcerie qu'on a créée il y a presque 2 ans où donc je mets mes compétences à tester du matériel électroménager beaucoup, un peu d'informatique, un peu de petite mécanique, tondeuse à gazon et compagnie, quoi, enfin un peu de tout. J'en suis administrateur. Et je fais depuis le début de cette ressourcerie, j'anime les Ripper Cafés. C'est un truc à la mode aussi. Donc on fait régulièrement des Ripper Cafés. Beaucoup de Ripper Cafés, petit électroménager, vélo, ça marche beaucoup. Ouais. Enfin, voilà. Super. On fait aussi du zéro déchet, du faire ses produits d'entretien soi-même, etc. Tout ce qui se fait ailleurs. Voilà. Donc du coup, tu continues dans la militant écologiste, dans le concret, quoi. Tout à fait. Super. Comme je ne suis pas un homme politique, je peux me permettre de continuer dans la même lignée. Alors, c'est quoi une bonne journée pour toi? Il y a beaucoup de bonnes journées. D'abord, ça commence par le fait de me dire, tiens, ce matin, j'ai pas trop mal au dos. Donc c'est prémisse d'une bonne journée. Et puis non, c'est une balade, aller voir les arbres, aller voir les légumes, aller donner aux ânes, penser à préparer les repas, dire que je vais me régaler. Non, mais je suis un genre d'épicurien, quoi, assez jouisseur. D'accord. Alors, est-ce que tu as des mauvaises journées? Même contemplatif, d'ailleurs. Ouais, contemplatif, d'accord. Ouais. Est-ce que tu as des mauvaises journées? C'est quoi une mauvaise journée pour toi? Il y a des mauvaises journées, bon, il peut y avoir des pépins divers et variés, quoi. Bon, déjà, bon, mes vertèbres me posent pas mal de soucis certains jours. Dans l'ensemble, non, il n'y a pas beaucoup de mauvaises journées. J'arrive avec le temps, les mauvaises expériences du passé, à positiver, en me disant, bon, si ça ne tourne pas trop rond un jour, ben, il y a eu bien pire, et sans doute ça ira mieux demain, quoi. Super. Très philosophe. Ouais. Alors, donne-moi 3 outils que tu aimes et qui sont une extension de toi-même. Par exemple, tu vois, 3. Alors, ça peut être 3 objets pour toi, sont vraiment constitutifs de ton activité. Alors, il y en a un que j'ai toujours dans la poche. Tu vas bien deviner ce que c'est. Ouais. C'est l'Opinel. Alors, c'est quel numéro? Un couteau. C'est l'Opinel pour partir un peu dans la nature. C'est le numéro 6 parce qu'il ne tient pas beaucoup de place dans la poche. Sinon, c'est le 7 ou le 8. J'en ai une collection impressionnante. J'adore ce couteau. Ouais, il est chouette. Surtout les lames carbone qui rouillent, mais bon, qui coupent très bien. Bah, moi, je fais comme la plupart des enfants de paysans. Je pense qu'à 3 ans, j'avais un couteau dans la poche. Et pas un couteau à bourron. J'avais un vrai couteau, quoi. Bon, je me suis coupé, j'ai dû me... Voilà. Mais j'ai toujours eu un couteau. Et voilà. Donc ça, c'en est un. Ouais, c'est déjà pas mal. Là, c'est embarrassant. Un outil... C'est...
il y en a tellement que ça me vient pas, vraiment comme ça. Tu vois, par exemple, Étienne Mineur, que j'ai interviewé il y a quelques temps, là, juste avant le Covid, il est designer. Lui, par exemple, son iPhone, il fait énormément de choses avec et tout ça. C'est un des objets qu'il a donné tout de suite, lui. Bon, j'ai failli le donner, mais c'est quand même très récent. Mais c'est aussi mon smartphone, quoi, qui est dans la poche, qui est posé par terre pour l'instant, pour ne pas interférer avec la caméra. Mais bon, oui, c'est un outil que j'utilise beaucoup maintenant. C'est un réflexe, je m'aperçois que j'utilise ça très très communément, alors que j'ai encore beaucoup d'amis de mon âge. S'ils se posent une question sur un temps de cuisson, ils vont la piocher dans les bouquins de cuisine. Oui. Moi, si j'ai un souci de temps de cuisson, je prends le téléphone et je tape et je trouve. Tu vas sur Marmiton. Et je trouve ou autre. D'accord. Et un troisième, si, de toute façon, on s'en fout. T'es pas obligé de répondre à trois. Moi, je crois que c'est le bâton. Le bâton. Ouais. Le bâton, ça sert à tout. Ouais. Ça sert à écarter les fougères pour voir les champignons, ça sert à marcher, ça sert à se faire un chemin s'il y a trop de ronces. Ouais. C'est pareil, on apprend à faire des bâtons tout petits. Enfin, on apprenait à faire des bâtons tout petits, quoi. Donc, les bâtons, j'en ai toujours un dans la voiture. Super. On le filmera tout à l'heure. Si tu veux. Génial. Mais oui, un bâton, ouais. Moi, j'en ai fait plein aussi quand j'étais petit ici. Alors, une question plus générale. Pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi qui te donne l'énergie de sortir de ton plumard? La première raison, c'est que je me rappelle toujours ce que disait ma mère. Quand on n'est pas malade, il ne faut pas rester au lit. Excellent. Très bonne raison. Puis, je m'ennuie au lit, moi. Le matin, ça y est, la nuit est finie, quoi, il y a des choses à faire. Super. Alors, une question que j'aime bien poser. Quelle est ta plus grande réussite? En toute catégorie possible et imaginable. Hein. Si je te pose la question, le premier truc qui te passe par la tête, c'est quoi? C'est quoi ta plus grande réussite? Bon, je vais dire que c'est mon fils. Très bien. Alors, t'as plusieurs enfants? Non, j'en ai quand même. Un fils, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui pensent aux membres de leur famille pour cette réponse-là. Alors, on va arriver un peu au cœur de ce qu'est Getting Shit Down. Ça fait des décennies que tu fais des trucs, que tu bosses, tu as fait plein de jobs différents et tout ça. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu pourrais partager, tu vois, comme petite pépite, un truc pour quelqu'un qui commence sa vie active, sa vie de créatif, ou sa vie qui a envie de faire des trucs? Qu'est-ce que tu as compris d'utile que tu peux partager avec les gens? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, bon, je ne sais pas si c'est valable dans tous les domaines et si c'est valable en tout temps, y compris actuellement, mais bon, j'ai quand même été beaucoup autodidacte. Et j'ai jamais eu, même à une époque où il n'y avait pas Internet, c'est quand même beaucoup plus simple d'être autodidacte avec des vidéos. Le nombre de vidéos qui permettent d'apprendre à faire quelque chose avec Internet, c'est impressionnant. Mais en disant que je veux apprendre à faire ça, mais bon, je n'ai pas été apprenti, je suis trop vieux pour faire un apprentissage, je vais bouquiner. Ça permet aussi de s'en renseigner beaucoup. Ce que j'ai appris, il y a un gros avantage à être autodidacte et ne pas être un descendant d'une famille dans laquelle on aurait appris un métier. Bon, par exemple, moi, je peux dire que je suis un descendant d'un fils de paysan. Je suis un fils de paysan, donc un descendant de génération de paysans qui avaient leur façon de faire, etc. Et moi, actuellement, bon, quand je jardine, j'ai plus du tout les mêmes façons de faire que mes parents. Ça veut dire que, et ça a été le cas aussi, une parenthèse, ça a été le cas aussi pour les microcentrales et les turbines. Je n'avais pas les mêmes a priori qu'un descendant de meunier, qui a toute la tradition du meunier derrière, pour les roues à aube, pour gérer tout ça. Et j'ai fini par comprendre que ce n'était pas du tout un handicap d'arriver avec des idées neuves. Enfin, ce n'était pas du tout un handicap d'être autodidacte, ça permettait d'envisager les choses avec un œil neuf.
Et ça, c'est un gros avantage, je trouve. Par rapport aux gens qui sont englués dans des savoir-faire, quoi. Les corporations, les traditions, les machins, les bidules. Les traditions, j'ai rien contre les traditions, encore que certaines, si, j'ai un peu. Mais bon, un œil neuf, c'est très très bien. Ça permet d'avancer. C'est un super conseil. Ouais, je suis d'accord. Et alors, est-ce que tu rapprocherais ça du do it yourself des punks, tu vois, les punks des années 70 qui se lançaient dans la musique sans savoir faire de musique et tout ça, et qui se lançaient, ce qui est important, c'est de faire des choses et d'apprendre en les faisant et tout ça. C'est quelque chose qui te parle. Moi, c'est un truc que je pratique aussi. Je fais plein de choses que je sais pas faire et que j'apprends à faire au fur et à mesure. Ben, je trouve que c'est bien, ça, le do it yourself. Bon, Internet, c'est pas un bon exemple, je trouve, parce qu'il y a vraiment il y a une chaîne ou un site, je sais pas ce que c'est une chaîne, les DIY, là. Il y a souvent des trucs qui n'ont aucun intérêt à faire ça soi-même, quoi. On a l'impression que c'est vraiment pour la vidéo que ça a été fait, mais bon, dans la pratique, il n'y a aucun intérêt à le faire soi-même comme ça. Mais le faire soi-même, c'est vachement intéressant. Ouais. Ça permet d'éviter quand même pas mal des dépendances. Moi, j'ai toujours trouvé que le faire soi-même, ça évite des dépendances. Ouais, carrément, ouais. On arrive à la fin de cette interview. Je vais te poser une question alors carrément philosophique, mais tu me parais être la bonne personne à qui la poser. C'est quoi le bonheur ? Essentiellement, c'est laisser de côté la vanité. C'est un peu compliqué comme réponse. Laisser de côté la vanité. Tout ce qui est vain, tout ce qui sert à rien, tout ce qui est artificiel, tape à l'œil. C'est aussi sans doute, j'allais dire se contenter de ce qu'on a, mais c'est un peu trop réducteur, ça. Quand je dis ça, se contenter de ce qu'on a, ça me fait penser en Inde aux castes inférieures, là, à qui on promet que la prochaine vie, dans une autre vie, ça sera mieux. Ouais. C'est pas comme ça que je veux le dire, c'est que je le pense. J'ai eu des époques où j'étais très à l'aise financièrement, je le suis moins. J'ai eu des époques où je l'étais pas du tout, puis ça m'a jamais trop affecté, quoi. Je m'adapte, quoi. C'est une forme de bonheur, ça, de dire aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autrement. C'est le contraire des regrets éternels, quoi, en fait. Ouais. Vive l'instant présent, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Super. Alors, dernière question. Je pense que pour toi, ça a une place importante. La transmission, justement. La transmission du savoir, la transmission. Tu as été enseignant pendant très longtemps, tout ça. Quelle place ça tient pour toi ? Est-ce que c'est important de transmettre ce que tu sais ? Tout à fait, je suis toujours à disposition des gens qui viennent me solliciter. D'ailleurs, quand on fait des repères café, le repère café, c'est quand même un peu bref. On incite les gens à démonter, essayer de trouver une panne, à réparer eux-mêmes. Mais bon, on transmet un tout petit peu de savoir. Mais dans le cadre de la ressourcerie, quand on forme des gens qu'on embauche et qui sont en... C'est des emplois, des gens qui ont des parcours de vie difficiles, quoi. On essaye de leur remettre le pied à l'étrier, donc il y en a certains qui vont rester un certain temps, et je vais essayer de les former, par exemple, sur tout ce qui est démarche de dépannage, puisqu'il y a il y a une démarche logique. On ne va pas commencer par aller trifouiller. La première chose, on regarde si le cordon n'est pas coupé, quoi. C'est un exemple. C'est des choses que j'aime bien faire, ça. On arrive au bout d'un certain temps à voir quelqu'un qui commence à se débrouiller dans le dépannage. L'enseignement, ça m'a beaucoup plu quand même. Je faisais le CP, quoi. On part avec des gamins, on leur apprend à lire, à écrire, c'était pas mal. Et je trouve que là, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que il y a beaucoup à dire, quoi. En ce moment, c'est la catastrophe. Quand on regarde les classements PISA de la France, c'est affreux. Il y a quelque chose qui ne va plus du tout dans ce pays. Mais alors, plus du tout. Ok, alors est-ce que tu veux avoir un dernier mot de conclusion ? Sur quoi tu veux qu'on se quitte ?
Je vais te remercier tout simplement d'avoir eu l'idée de cette vidéo. On est dans un cadre magnifique. On va pas trop faire de pub pour la Corrèze parce qu'on risquerait d'être envahi. Ouais, on sera envahi. Pas en Corrèze du tout. Avec tous ces gens qui veulent quitter Paris et les grandes villes pour venir se mettre à la campagne et faire de la permaculture. Bon, l'idée est sans doute bonne, la pratique, ça risque d'être plus compliqué. Mais il faut reconnaître qu'on est ici dans des... Moi, je trouve qu'on est dans des lieux extraordinaires. Il ne se passe pas une journée sans que je me dise qu'est-ce qu'on est bien en Corrèze. Ouais. Et puis bon, voilà, c'est des bons moments. Aujourd'hui, c'était avec toi, avec Loulou, Francine, ça sera avec d'autres demain. Enfin, voilà. Comme disait un ami qui est ingénieur agronome, mais un peu atypique, qui commence toujours ses conférences par « La vie est belle ». Quand il dit « La vie est belle », ça veut dire tout ce qui représente la vie, les arbres, les herbes et tout, c'est magnifique, ça vaut le coup d'être respecté, étudié, connu. Voilà. Ah, ce monsieur s'appelle Hervé Coves, pour les gens que ça intéresse. C-O-V-E-S. Il a beaucoup de vidéos sur YouTube et c'est un ingénieur agronome. Super. Voilà. Merci beaucoup, Alain. De rien.